Bon, les gars, aujourd'hui, je vous le dis, on va tester l'une des fonctionnalités les plus cheatées de Fortnite. Ça fait des mois que toute ma communauté me spam avec ça. On va essayer pour la première fois la visualisation des bruitages. Dit comme ça, ça paraît anodin, ça paraît pas forcément cheaté, mais de tout ce que j'ai vu et de tout ce que j'ai entendu également, apparemment, c'est une dinguerie. Dans tous les cas, on va parler dans cette vidéo. On verra à la fin si oui ou non vous devez absolument l'activer ou pas. Promis, je vais être honnête comme d'habitude. Juste avant de partir en game, on va aller dans les paramètres. Juste ici. Ensuite, on va dans audio. Ensuite, on descend un petit peu. Et là, il y a écrit visualisation des bruitages. C'est sur non. Et là, je vais mettre oui. Appliqué. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on peut partir en game. Juste avant, pensez bien au petit pouce bleu comme d'habitude. C'est parti. Nous voilà dans le bus de combat. Regardez, Grazy est à la fin. Mais c'est pas grave. On est des gens patients. On va attendre. Je vais pas changer de ville non plus. Donc là, normalement, on va avoir une roulette des bruitages. Voilà, on peut les voir. Regardez tous les planeurs. Ça, bien sûr, c'est parce que j'ai activé la fonctionnalité. Avant, j'avais pas. Ok. Donc ça, c'est vraiment intéressant déjà pour savoir si on les conteste. On a un coffre juste là. Oh là 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 là, il avait plus de balles, j'ai trop de chance. Il faut absolument que je me heal, ça va me push, c'est sûr. On a un pompe, ok. On a un coffre ici, allez une grosse. Non, toujours pas. C'est bon, on est bien. Il y a un mec juste là. Ah poteau, je te dérange pas. Eh oui, casse-toi. Non mais attends, c'est mon bâtiment, je suis là depuis le début, il vient comme ça. Sors de là. Il est fou lui. Regardez l'indication, ça montre précisément où est la voiture, c'est trop fort. Il y a un mec là, on va le push. Non. Oh, 150. Et il est mort. Attends, mais même les pigeons, ils sont sur le truc. Ok. Dans tous les cas, plus tard dans la vidéo, on parlera vraiment des avantages et des inconvénients de la visualisation des bruitages. Mais pour l'instant, ça a l'air pas mal. Oh, je crois qu'il y a eu un lama, regardez. Il y a ça et ça. Ou alors c'est le petit pousset, je sais pas. Oh, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais mon pote, t'es un malade. Ah, mais il se met un baril de shield. Ah. Attends, quoi? Mais il est parti où? Là, par contre, je suis dépité. Il est parti dans un arbre ou quoi? Oh, il est là-bas. Allez, bam. Oh non, mais prends pas que je vais te lâcher par contre, hein. Hop, t'as un HP et t'es mort. C'est quoi, petite danse? Rage un petit peu là, s'il te plaît. Nickel. Qu'est-ce qu'il a de bon à me donner comme stuff? Oh, PM violette, j'aime bien. Avec une oak bleue, mais merci beaucoup. Là, le seul problème, c'est que j'ai pas beaucoup de construit. Voilà, c'est un peu mieux. On est plus que 23. Ça, c'est vraiment un des gros problèmes de l'arène cette saison. Encore plus que celle de l'avant, je trouve. C'est que les lobbies se vident super vite. Tu peux plus facilement faire des 15 ou 20 kills comme avant. Maintenant, tu sors du spawn, on est plus que 10. Voilà, GG. Oh, j'ai entendu quelqu'un. Oh, il est crack, nickel. J'ai ton mur, dommage. On récup le pompe violet, voilà. Pour l'instant, le plus dur avec le mode sourd, je trouve, c'est de s'adapter à la roulette, c'est-à-dire que j'ai pas le réflexe de la regarder. Regardez comment c'est fort, là, vraiment, je vois des pas. Voilà, donc je savais qu'il y avait un mec là. Oh, mais c'est la honte, les mecs qui tryhardent là-haut, je vous le dis, hein. Allô? Mon gars, je te tire dessus, hein. Non, mais respecte-moi au bout d'un moment. Et il a volé ma voiture. Non, mais ça, je ne tolère pas. Et y'a l'autre qui me craque en haut, mais les gars, laissez-moi tranquille, bordel. Hagra. Non mais, ça c'est trop les gars. Absolument que mon kit passe. Salut à tous, c'est la salle. Voilà, casse-toi. Pourquoi il me regardait bizarrement comme ça? Par contre, le mec qui est là-haut, je te le dis, je vais pas te lâcher, hein. Il m'a craqué 10 000 fois, les gars. Il va me rendre le richel que j'ai claqué à cause de lui. Où est-ce qu'il est maintenant? Attends, quoi? Il s'est barré. Bon, bah, j'abandonne. Qui m'a tiré dessus? Ok, ah, mais il est là-haut! Non, mais c'est encore pire que ce que je pensais! Oh là 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 là! Il est en train de me push. Non. T'es bloqué, mon pote, hein. Voilà! Aujourd'hui, je sais pas pourquoi les joueurs ils m'énervent. Je suis tombé sur un mec qui campe, un mec qui court. Oh là là! Bref, on a déjà 7 kills. Par contre, honnêtement, je calcule archi pas la visualisation des bruitages. Je pense d'ailleurs que c'est le bon moment pour en parler. Alors, déjà, pourquoi elle a été ajoutée? Eh ben, en fait, de base, elle a été ajoutée pour les personnes sourdes ou malentendantes pour qu'elles puissent jouer normalement au jeu. Mais en fait, c'est tellement devenu cheaté que plein de personnes sans problème d'audition l'ont activé aussi. Ça fait des années que je vois des pros l'utiliser. Mais je me suis toujours dit que c'était pas très utile et qu'ils en vendaient des caisses. Mais là, récemment, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit: ouais, Waz, vraiment, teste-le et tout, fais-nous confiance. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté un sondage sur Twitter pour savoir combien de personnes l'utilisaient. Je vous mets la réponse dès maintenant. Honnêtement, les résultats m'ont clairement donné envie de tester. Je me suis dit que c'est pas normal que autant de personnes le jouent. Pour parler des avantages, eh bien tu vois absolument tout avant que ça arrive. Je m'explique. Tu peux voir par exemple un mec en planeur arriver sur toi. Tu peux voir quelqu'un qui se fait réal alors que normalement t'aurais pas pu avoir l'info. En gros, c'est à dire que parfois sur la roulette, tu vois des choses que tu n'entends pas. Par exemple, quand quelqu'un se cache dans des constructions pour se heal ou quoi, eh bien tu as l'info précise de là où il est grâce au mode encore une fois. Bref, c'est super fort apparemment. Bien évidemment, comme toute chose, il y a quelques inconvénients. Le plus gros, c'est qu'apparemment il y aurait des pertes de FPS en fin de zone. Donc si vous avez une mauvaise machine, aïe aïe aïe, faites attention quand même. Et de deux, ça peut également être perturbant pour certaines personnes. Voilà, ça c'est la base de ce que j'ai relevé quand j'ai un peu enquêté sur le mode. Dans tous les cas, en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis personnel. Il y a un mec là-bas, regarde, on va faire le gros rat. Voilà, et là on va le spam, hein. 29 encore une fois. Ah mais toi t'es vraiment bête, hein. Ok, faut que je reprenne le high.
21 blanc, je le line. Et il est mort. Varie le tranquille, il y avait encore le mec là-bas. Vous le voyez? Salut. Ah mais il y en a un qui me push. Regardez sur la vision sur les bruitages, je sais précisément où il est. Vous avez vu ou pas les pas? C'est trop stylé. Il était là-bas. Hop là. Ça c'est tellement frustrant quand t'es là, tu cours tranquille et tu te prends une grosse tête. 31. Ah mais on va BF, je te le dis. Voilà. Merci d'être venu en tout cas, c'était super sympa de te rencontrer. Pas du tout. Oh là, c'est la visualisation de bruitage qui m'a permis de savoir où c'était. Donc c'est par là. En fait ça a pas l'air si mal hein. Je suis donc en 1 contre 1. Regardez, il est tout là-haut. 33 shield. Ça va être dur là. Il faut absolument que je garde la hauteur. Ah, il est crack. Attends, on est en zone là poteau. Il a la hauteur. Ok. Il est vraiment chaud hein. Une chose est sûre, c'est que c'est pas un ZDFR. Oh, regardez mes construits, c'est la merde. Il doit plus en avoir beaucoup non plus, je pense. Oh, il m'a mis la tête au snipe, les gars. Oh, il m'a détruit. Alors là, c'est mort. On lance une game. Oh non. Oh, regardez dans la feed, il y a un ZZ. Alors là, si je le tue, je serais dégoûté. Donc là, regardez bien autour de moi. Le cercle ne s'est pas activé, donc ça veut dire que normalement, il y a personne aux alentours. On va regarder. Ok, là, il y a quelqu'un. Il l'a pas détecté, apparemment. Ah, là, oui, on a vu des pas. Ok, bon, ça a pas l'air très très fiable, je trouve. C'est quoi ça? Wow! Oh non! Eh, moi je veux pas garder ça hein! Comment on leur crash? Oh, c'est horrible, je vois rien! Oh, c'est trop perturbant les gars! Attends, mais c'est quel. Ah, c'est vert ça, ok. Oh non! Ça dure combien de temps? Si ça dure toute la game, je suis dans la merde. Allez, mais dégage! Ah, merci. Ok, c'est bon. 31 une fois. Et il est mort. C'est bon, c'était quand même chaud. Attends, mais c'est quoi le truc qui montre là? On dirait comme un cadenas, c'est ça? Ah, c'est le distrib, je crois. Ouais, c'est le distrib, ok. Dommage que j'ai pas assez le monteur. Bref, on va faire un petit peu plus chance qu'on va pouvoir se barrer. Ça a l'air d'être le moment parfait pour moi vous parler de mon Discord. Si vous ne le savez pas, j'ai un serveur Discord où on est plus de 115 000 dedans. Il y a absolument toute la communauté. Donc si vous êtes un vrai ZZ, vous devez absolument le rejoindre. Dessus, vous pourrez faire quoi? Vous pourrez trouver des gens avec qui jouer. Si par exemple, en ce moment, vous jouez beaucoup en solo, dans votre coin, etc., mais pourquoi pas tenter de jouer en duo ou en trio avec un abonné? Honnêtement, ils sont tous gentils sur le serveur. Vous pourrez également participer au tournage de vidéos, genre par exemple celle-ci. Ou encore celle-ci, mais ça nécessite des abonnés, donc c'est via le Discord qu'on les prend, ou même bah parler avec moi. C'est vraiment le réseau que j'utilise le plus parce que je peux échanger avec le plus grand nombre d'entre vous. Je mettrai le lien en description, pensez à le rejoindre. Discord c'est 100% gratuit bien évidemment. Bref, le petit instant promo est maintenant terminé, on peut se barrer de la ville. Si vous voulez mon avis pour l'instant sur le mode sourd, bah honnêtement je suis assez perplexe. Par moment ça a l'air bien, mais par moment ça a l'air moins bien. Ouais, c'est vrai que ce que je viens de dire ça vous sert à rien, mais bon, on verra à la fin. Eh, le monteur, j'ai une question. C'est quoi ton goût préféré pour les gâteaux? T'es plus vanille, chocolat, des fruits? Parce que tu sais là, ça fait bientôt un an hein, que t'es monteur. Et ouais, va falloir que tu payes un gâteau. Comment ça mon ref? C'est pas moi qui vais le faire en tout cas. Ou alors si je t'en paye un, il y aura une grosse pote dedans, comme tu préfères. Les gars, souhaitez un bon anniversaire de montage au monteur dans les commentaires. Par contre, si vous lui souhaitez et que vous oubliez mon anniversaire dans 2 semaines, ça va pas le faire. Est-ce qu'il y a du monde par ici? Les copains, j'ai besoin de faire des kills là, je dois tester un truc. Oh, ça a tiré par là. Où ça? Là-bas? Ok, on va aller voir hein. Oh, vous l'avez vu en train de danser. Ah, t'es bloqué hein. Bah oui, où est-ce que t'as été de foutre encore toi? Il était dans mes construits le pauvre. Oh, j'entends une voiture. Non, là j'accepte pas. Vous avez vu le laser de fou qui m'a mis? Eh, je m'en fous, je veux tester la fonctionnalité. On repart en game. Qui dit 3ème game dit dernière chance pour Top 1. Moi ce que j'ai envie de faire c'est un spawn safe. Où est-ce qu'on pourrait aller? Le monteur propose moi un spawn là? Non c'est nul. Ok. On va aller ici. J'espère que c'est bien quand même. Ok, je suis contest. C'est bon, il est parti bien loin. Qu'est-ce que je vais trouver de bon? Un slur, 2 slurs, 3 slurs. C'est bien beau tout ça, mais moi ce que je veux c'est un pompe là. Toujours pas. Bon, le stuff j'ai connu mieux clairement hein. Là pour l'instant c'est à peine un 3 sur 10. Ça a l'air de tirer par ici, on va y aller. Je crois qu'il est là-dedans. Il est là. Il est parti où? Ok, grâce à la roulette j'ai pu le suivre, regardez c'est trop fort. Y'a un lama. Y'a un deuxième mec qui a débarqué. Il est mort, nickel. Y'a un mec là-haut. Non mais il s'est pris pour le roi lion. J'ai pas d'aim. Allez viens là toi, je vais m'occuper de toi. Il est crack. Mais laissez-moi, il y a trop de monde. Voilà, au suivant. Voilà. Voilà, mais
Laissez-moi tranquille, je suis trop fort. Oh là là, comment j'ai fait les gars? C'est un truc de ouf. Faut que je me reshield. Oh, j'ai mon cœur, il bat à 250 km/h. Enfin, je sais pas si on dit km/h pour le cœur, mais vraiment vite. Nickel. Mon Steph, il a glow up, hein. Oh là 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 là. Dinguerie. En parlant de glow up, que pensez-vous de mon skin? Claqué au sol. Claqué? Claqué au sol. C'est un combo que je mettais il y a quelques mois maintenant, mais je sais pas. Il était resté au casier un petit moment. Et ce matin, en me réveillant, je me suis dit, tu sais quoi? Si je veux top 1, je dois mettre ce skin. Là, vous allez me dire, ouais, mais ouais, c'était bizarre. Ok, je vous l'accorde. Mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai des skins comme ça qui me portent chance. C'est-à-dire que parfois, quand je vais mettre Vénard, je vais me sentir fort. Quand je vais mettre ce skin-là, je vais me sentir fort. Travis, je vais me sentir fort. Mais si je mets un skin de noob comme Martial, par exemple, je vais pas réussir à faire des kills. Le skin, c'est trop important pour moi. Alors qu'en vrai, ça change rien. C'est vraiment que psychologique, mais je sais pas, ça m'affecte. Le monteur, tu peux nous montrer vite fait là, c'est quoi ton skin préféré? Ok, je suis sûr que c'est un gros skin de Bambi. Le monteur, celui-là. Il y a un petit drop juste là, on va aller le chercher. Et bah c'était bien nul. On va claquer le pad. C'est quand même dingue qu'il y ait personne de ce côté-ci, hein. Je suis en zone les gars. Pour une fois que je suis pas en retard en plus. Y'a vraiment personne qui veut se battre. Ah mais si, il est là le vaillant soldat. Attends, tout ça pour se barrer là vraiment? Oh là 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 là. Bref, tant pis. Vous savez quoi, on va répondre à la première question du jour. Elle nous vient de Timothée. Vas-tu reprendre les combats de champions? En fait, il parle de ce genre de vidéos qui étaient des tutos pour monter champion. J'en ai fait 3 sur la chaîne, à chaque fois c'était en début de saison et c'était des vidéos où je vous donnais des conseils pour monter champion. Ça pouvait être des spawns, quelle arme jouer, des petites astuces, etc. Bref, j'aimais bien en faire et vous kiffiez aussi, apparemment ça vous aidait, donc tant mieux. Mais là, juste regarde mes points. Tu comprendras pourquoi je fais pas de tuto pour monter champion en ce moment. C'est parce que moi-même je suis plus champion, les gars, je joue plus suffisamment au jeu. Et donc au lieu de vous dire de la merde, bah je préfère pas faire de vidéo tuto. Parce que là, honnêtement, j'ai aucune idée de comment faire. Donc voilà, pour l'instant c'est pas prévu, après je me ferme pas l'idée, mais c'est plus non que oui. Il y a un mec là, regardez. 27 et 41, ça fait... Ça fait 68. Oh, regardez, ils sont là. Je me shield. Non, mais t'abuses. Oh là là, ce piss control! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Je pensais que j'étais plus capable. Alors là, j'ai un vrai dilemme. Est-ce que je prends le pompe chasseur violet ou est-ce que je garde mon pompe tambour en or? Le monteur, tu me conseilles quoi? Le chasseur? Ok, je fais l'inverse. Jamais écouter un noob, les gars. Ça se bat encore. Il est crack, tremblant. Oh là là! Oh! Mais j'ai volé les deux, c'est incroyable! Ça me permet de valider mon 8ème et 9ème kill. Merci, les gars. On va reprendre un pad. Qu'est-ce qu'un bateau foulé en plein milieu, sérieusement? Faut m'expliquer, hein. Bref, on est plus que 6. Il me reste donc très peu de temps pour répondre à la deuxième question. Elle nous vient de Ismo. Comment as-tu connu Martial et quand? Alors, déjà, quand? Eh bien, je l'ai connu en 2017. J'avais ma première chaîne YouTube, donc pas celle-ci. J'avais seulement 500 abonnés, les gars. Martial, j'ai vraiment connu à mes débuts. Dites-vous qu'à ce moment-là, je crois même qu'il avait plus d'abonnés que moi. Maintenant, on peut dire qu'il est un petit peu dans le rétro, mais bon. Et comment je l'ai connu? Ben, c'est simple. Je l'avais vu passer sur Twitter et j'avais cliqué sur son profil. J'avais bien aimé la bannière qu'il avait à l'époque et donc je lui avais envoyé un message pour savoir quel graphiste lui avait fait. Parce que moi à ce moment là j'avais pas de bannière et j'en voulais une. Du coup bah il avait répondu, on avait un petit peu échangé, on s'était appelé et au fur et à mesure on est devenus amis. On a joué ensemble etc, bref, histoire après vous la connaissez. On s'est vu IRL une première fois, une deuxième fois et puis on a vécu ensemble même pendant un an. Et donc voilà, tout est parti comme ça pour une histoire de bannière quoi, c'est beau. J'ai vu une animation sur la roue, c'était vert ici. Effectivement ça se bat bien là, c'est tellement fort en vrai. On va commencer par ce mec là. Il a un HP par contre. Et il est mort. Oh, il m'a repris la hauteur, il a trop bien joué. Le problème c'est que je suis en top 3, j'ai peur que le dernier il casse. T'abuses. Le mec il est en train de casser les gars. En 34. Non, il m'a tué. Il a 27 HP. J'ai le démon les gars. On n'aura pas réussi à faire top 1 encore une fois. Bref, ça y est, c'est terminé. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de tester ça. J'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à rien et honnêtement, c'est assez fort. Je vous conseille de l'activer. Testez dans tous les cas. Si jamais ça vous dérange, eh bien vous l'enlèverez. Mais perso, je trouve que ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Si jamais vous êtes nouveau et que vous avez apprécié la vidéo, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche de notification et à cocher toutes pour ne manquer aucune vidéo. Merci à tous ceux qui le feront. Bref, des bisous, ciao.